Radio Roumanie Internationale. Mesdames et messieurs, l'équipe de la section française de Radio Roumanie Internationale se fait un plaisir de vous inviter à écouter cette émission qu'elle a voulu aussi bien intéressante qu'agréable, avec un maximum d'informations sur la Roumanie et les Roumains. Bonne écoute! Un peu plus sur RRI, voici les titres du journal. Le chef de la diplomatie roumaine, Bogdan Aurescu, soutient la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine. Un ancien chef de la police moldave tenterait de réunir une force paramilitaire pour renverser le régime pro-occidental de Maia Sandu et le remplacer par un autre pro-russe. Et puis la Turquie se prépare dimanche pour le premier tour des élections présidentielles considérées comme un test pour le président Recep Tayyip Erdogan. Le chef de la diplomatie roumaine Bogdan Aurescu soutient la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine. Le responsable de Bucarest a participé samedi à Stockholm à une réunion informelle de ses homologues européens en présence du ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. La Roumanie fait partie du groupe noyau qui soutient la création d'un tel tribunal. Dans un communiqué du ministère roumain des Affaires étrangères, on apprend que M. Kuleba a salué la proposition de son homologue roumain d'organiser à Kiev une réunion du Conseil Affaires extérieures de l'Union européenne et a réitéré l'invitation à tous les chefs des diplomaties européennes d'y participer. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a appelé samedi les États de l'Union européenne à accélérer leur livraison d'armes aux forces ukrainiennes et à leur fournir des munitions d'artillerie à longue portée pour riposter aux tirs russes. Les Ukrainiens ont des besoins spécifiques, les Russes les bombardent de loin, alors ils doivent avoir la capacité d'atteindre la même distance et la même portée, a-t-il expliqué après un entretien avec le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, à Stockholm. En mars dernier, l'Union européenne a approuvé un plan de 2 milliards d'euros visant à fournir des munitions à l'Ukraine, notamment par le biais d'achats communs. Entre-temps, le gouvernement allemand a annoncé samedi préparer un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine de 2,7 milliards d'euros, incluant la livraison de nombreux chars blindés et systèmes de défense anti-aérienne. Un ancien chef de la police moldave, Gheorghe Kavaliuk, qui vit actuellement à Londres, recrute une force paramilitaire pour tenter de renverser le régime pro-occidental de la présidente Maia Sandu et le remplacer par un autre pro-russe. C'est ce qu'on apprend dans un rapport reçu par le ministère britannique des Affaires étrangères, obtenu par les journalistes du Times et confirmé par le gouvernement moldave. Pour l'instant, la Grande-Bretagne n'a pas approuvé la demande d'extradition de l'ancien officier de police, un geste incompréhensible selon le président de la Commission à la Défense du Parlement, Tobias Elwood. La Turquie se prépare dimanche pour le premier tour des élections présidentielles. Le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis plus de 20 ans, est aujourd'hui confronté à son plus grand défi. 6 partis d'opposition ont uni leurs forces pour les élections présidentielles et législatives du 14 mai, choisissant le chef de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, comme candidat d'union. Si aucun des deux candidats n'obtient plus de 50% des voix, un deuxième tour aura lieu dans 2 semaines. Les citoyens de l'Union européenne demeurent en faveur du soutien que l'Union européenne accorde aux réformes des pays membres, selon une enquête Eurobaromètre réalisée par téléphone. 42% des Européens considèrent que l'Union pourrait encourager l'échange de bonnes pratiques entre les pays communautaires. Le même pourcentage confirme l'importance du soutien européen à la gestion des crises, telles les pandémies, les catastrophes naturelles ou les conflits. 34% des sondés considèrent que l'Union européenne devrait fournir aux pays membres son expertise et son savoir-faire pour la mise en place de leurs réformes. Les administrations publiques européennes pourraient devenir plus efficaces, opinent presque 50% des personnes questionnées qui plaident pour une bureaucratie diminuée et un plus de transparence dans la prise des décisions et l'utilisation de l'argent public. Au dire des Européens, la santé et l'éducation sont les domaines qui nécessitent le plus de réformes.